À l'espace culturel Yaro à Luangeli, plus d'une trentaine d'enfants participent depuis le 21 juillet aux ateliers de musique, chant, danse et théâtre animés par des culturels. Ce mardi en matinée, il s'est agi de l'atelier de théâtre. Un enfant participant nous en parle. On faisait un théâtre qui a pour nom Robin des Bois. C'était pour lire comme ça qu'on va faire le théâtre, enfin, savoir ce qu'on doit dire au lieu d'improviser. Oye, oye! Oye, oye! Bonjour, mesdames et messieurs, et hommes oiseaux. Accompagné par des formateurs dans différents secteurs culturels, l'objectif est d'occuper sainement les enfants pendant cette période des vacances. Cerise sur le gâteau, des talents en herbe s'illustrent à la fin des activités proposées, indique ce formateur. Ce sont des ateliers vacances que nous faisons chaque année pour pouvoir occuper les enfants pendant la période des vacances. On a plusieurs ateliers. Il y a des ateliers de théâtre, tant je suis animateur. Et puis il y a l'atelier musique, il y a l'atelier danse contemporaine, il y a l'atelier danse traditionnelle. Voilà, il y a ces quatre ateliers-là pour cette année qui sont au programme. Les enfants, ils s'accrochent, bien qu'avec beaucoup de difficultés, mais ils s'accrochent. On s'adapte au rythme. C'est un peu, vous voyez, les enfants, c'est un moment ils vous écoutent, un moment ils sont dispersés. Et donc, on doit multiplier des méthodes pour pouvoir les ramener un peu à la raison. Et aussi, des enfants, quand vous les occupez, si vous les occupez pendant longtemps, ils se lassent. Donc du coup, on trouve un moment pour les laisser, soit aller boire un peu d'eau, soit 10 minutes pour se récréer un peu. Et quand ils reviennent, ils ont plus d'attention dans ce qu'ils sont en train de faire. Chaque année, on trouve des enfants extraordinaires qui ont des talents cachés. Au-delà du simple divertissement pendant cette période, les enfants bénéficient d'une opportunité supplémentaire d'épanouissement grâce aux activités qui leur conviennent.